Et le chef suprême des talibans, le mollah Habibullah Akhundzadeh, a ordonné à ses troupes de ne pas punir les fonctionnaires de l'ancien gouvernement afghan, selon des propos rapportés sur Twitter par un porte-parole des talibans. Respectez mon amnistie et ne punissez pas les employés du précédent régime pour leurs crimes du passé, a-t-il déclaré mercredi soir à Kandahar. Ces déclarations interviennent après une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit un ancien officier de l'armée être passé à tabac dans une cellule par deux combattants talibans.